Tu sais, tout ce qui est dit sur mes vidéos là, c'est pas pour te convaincre, c'est pas une religion, c'est pas une philosophie. C'est un mouvement intérieur que nous avons tous un chacun, et c'est un plan où on doit se pencher dessus pour voir. Et quand on se penche dessus pour voir, on se découvre soi-même. Quelle philosophie il y a là-dedans? Quelle religion il y a là-dedans? Il n'y a rien à convaincre. Il n'y a rien à persuader. C'est à toi de voir qu'est-ce, de quoi c'est fait tout ça. T'es pas obligé. Si ça ne te parle pas, si tu n'es pas intéressé, c'est pas grave. C'est ok, tant pis. Mais je crois que il est très important d'apprendre la vie que tu as et de la mettre en évidence pour toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu te racontes qui ne sont pas vraies. Tu as tendance à les croire, à en faire ton sacerdoce, mais en fait, il n'y a rien qui est véritable. Seule chose de véritable, c'est ce que tu vis, là, maintenant. Comment tu épouses les situations qui arrivent. Comment tu vis ça? Avec quelle émotion? Avec quelle envie? Quel désir? Quel rejet? Quelle peur? C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est un état de chacun qui est dans cette situation-là. Et cet état, il faut que tu le visites. Il faut que tu connaisses cet état. C'est quoi? Qui es-tu? Parce que ça, c'est un état dans lequel on s'identifie tous à ça. On s'identifie à nos émotions, à nos peurs, à nos conquêtes, à nos découragements. Je suis découragé. J'ai peur. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc tout ça devient ce que tu es. Mais ce que tu es, c'est pas ça. Ça, c'est juste le mouvement interne de ta psyché qui se meut et qui est là pour se faire valoir. Il y a quelque chose qui veut se faire valoir. Donc ça, c'est ce que tu es en tant que construction. Tu t'es construit pour être ça. Mais au-delà de tout ça, il y a autre chose. Ce que tu es, c'est pas celui-là. C'est pas le personnage, c'est pas la construction que tu t'es faite de toi, de toute cette psychologie-là que tu as, ces états d'âme, ces états de haut et de bas. C'est pas toi. Cet état, c'est quelque chose qui arrive parce qu'il y a des circonstances. Il y a des situations et qui te font réagir. Et tu réagis avec ce que tu crois être. Donc tu dis, je suis en colère et je vais faire ça, ça, ça et ça. Donc tu es emporté par le mouvement de ta propre psychologie. C'est-à-dire, tu es emporté par ce que moi, ce qu'on appelle communément le personnage, moi, je, l'ego, ce que moi désire, ce que moi prévois. Mais moi, c'est justement ce mouvement psychologique qui se meut là, d'instant en instant, et qui cherche une issue. Et tant que tu chercheras l'issue,
Il y aura ce moi. Il y aura l'activité de celui qui veut s'en sortir, de celui qui veut mieux. Il n'accepte pas toutes ses émotions, toutes ses peurs, ses angoisses. Il veut mieux. Ça, c'est l'activité de tout un chacun à vouloir trouver, au-delà de toute cette activité mirobolante, dévastatrice, quelque chose. Et il y a quelque chose. Mais ce que moi ai ne peut pas le trouver, puisque moi sera toujours occupé à faire exister ce que moi ai. Moi ne veut rien d'autre que être moi. Donc il va toujours se plaindre, il va toujours se révolter des situations qui ne sont pas comme à son goût. Et ça fait que tu tournes en rond à vouloir ce que tu désires. Et ce désir, c'est ton rêve, le rêve de moi qui veut atteindre un meilleur être, un meilleur lendemain. Tu vois, nous vivons avec ce lendemain qui nous subjugue et qui nous donne cet espoir qu'il y aura quelque chose. Mais tu sais bien, tout le monde le sait, que demain n'existe pas. Et si tu es en train de prospecter pour ce lendemain, alors tu n'es plus présent, tu n'es plus là. C'est-à-dire que tu es ce personnage. Ce personnage, il est quasiment inconscient. Il veut, parce qu'il veut, il n'est pas présent. Il n'y a pas une présence, puisque tu étais identifié à la chose qui veut. Donc tu n'es pas présent, tu es avec la chose qui veut. C'est-à-dire que tu es enrôlé avec les pensées qui te demandent de devenir quelque chose d'autre. Ça veut dire que tu n'es pas présent, tu n'es pas là. Et c'est quoi qui est là? Si tu n'es pas dans la spéculation, dans l'enrôlement de toutes tes pensées, qui est là? Il n'y a plus moi là. Il y a ce que tu es pour de vrai. Tu es présent. La présence est là. Tu es présent à tout ce qui se joue. Et là, ça devient intéressant pour toi. Parce que tu es avec les événements. Tu ne refuses rien. Tu vois l'événement. Tu comprends l'événement. Parce que la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, on fuit l'événement. On fuit tout ça. On cherche un coupable. Et on ne veut pas voir l'événement. L'événement que tu es en colère, que tu es aigri, que tu es triste, tout ça. Parce que ton petit ami est parti. Et il te manque quelque chose. Tous ces événements, maintenant, au lieu de les fuir, au lieu de pleurer dessus, ben, tu le regardes, tu l'acceptes, accepte que l'événement arrive. Parce que de toute façon, si l'événement est déjà arrivé, comment tu peux faire pour l'éradiquer? Il est déjà là, c'est fini, c'est trop tard. Tu ne peux que vivre un fait, c'est le fait. Et tu ne peux pas changer les faits. Les faits sont là, c'est arrivé. Et tout ce que tu peux faire ne peut pas le ramener à être autre chose que ce fait qui est là. Donc il faut accepter le fait. Inspecter. Le vivre, le reconnaître. Voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fleurit. Comment ça se termine. Comment ça éclot, tout ça. Mais ne rien faire pour faire en sorte que tu sois dans une autre situation, puisque l'autre situation n'existe pas. L'autre situation existerait seulement si tu veux le faire exister. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On veut faire exister
autre chose que le fait. Les faits ne nous plaisent pas. Parce que nous nous sommes attachés au plaisir qu'il y avait dans le mouvement que l'on a construit. Donc ce plaisir, il ne faut pas qu'il parte, il faut qu'il reste là. Et c'est ça qui fait la souffrance, que tu veuilles garder quelque chose qui est déjà passé, quelque chose qui est déjà fini, quelque chose qui va se transformer en autre chose, certainement. Donc, la vie, c'est un changement constant. Donc, tu ne peux pas faire en sorte que tu puisses te caler sur quelque chose que tu fais avec ton habitude et tes train-train. La vie, c'est pas un train-train, c'est pas une habitude. Si ta vie est dans l'habitude et les train-train, automatiquement, au bout d'un moment, il y aura souffrance. Parce que la vie change tout le temps. Les êtres autour de toi changent. Les émotions changent. Et ne compte sur personne qui puisse te donner la stabilité. Parce que tout change. Et il faut que tu voyes en toi comment faire pour accueillir tous ces changements sans les rejeter, sans les fuir. Les accueillir avec une grande joie parce que tu n'es pas attaché. Justement, le changement dans la vie, c'est quelque chose, une opportunité pour toi de découvrir autre chose, de vivre autre chose, de passer à autre chose, mais de ne pas stagner dans les habitudes et les train-train. C'est ce qu'on aime bien faire. La plupart d'entre nous, c'est stagner dans les train-trains, les habitudes. Parce que ça réconforte, parce que ça donne un peu de sécurité, dit-on. Mais cette sécurité, elle est illusoire. C'est pas une sécurité. Parce qu'à chaque instant, tu as peur que ça va se finir, ça va s'évaporer. Pas de sécurité. La sécurité, c'est quand tu acceptes le changement et que tu as la capacité d'être dans la vague qui passe et surfer dessus. Là où elle t'emmènera, ce sera ton destin. Ce sera la vie. C'est la vie qui te donne ça. La vie nous donne plein d'opportunités. Mais nous, on s'est attaché à certaines choses qui nous donnent une sorte de stabilité. On se sent en sécurité avec l'affection que je gagne, avec l'argent que j'ai, avec toutes les possessions que j'ai pu me faire. Je me sens en sécurité. Mais tôt ou tard, tout ça va s'avérer être du vent. Parce que c'est là aujourd'hui, demain, c'est parti. Et celui qui veut toujours garder ça contre vents et marées, ben il va souffrir, il va vivre une vie misérable. Parce qu'il sera toujours dans la défense. Il va vouloir se défaire de tous les changements. Il va vouloir créer des sécurités, des barrières. Donc il se crée des barrières, il se crée des garde-fous. Il ne veut pas être en dehors de ce qu'il a désiré. Le désir pour lui est devenu un gain sacré. Mais ce n'est pas un gain sacré, c'est du vent. Mais c'est l'illusion qui te fait penser que c'est un gain sacré. C'est quelque chose que tu dois garder. Cette illusion t'emmène à la déroute. Et nous avons une société en déroute. Parce que nous faisons tous ça. Nous ne sommes pas capables de regarder les choses comme elles sont dans les faits. Et accepter les faits.
et vivre avec le mouvement que la vie propose. Au lieu de ça, on combat la vie, on combat la réalité. On ne la veut pas. On veut nos rêves. Nos rêves sont plus importants que la réalité. C'est pour ça que l'homme souffre, parce qu'il rêve, parce qu'il ne voit pas la vie telle qu'elle est, parce qu'il ne comprend pas la vie. Et comprendre la vie, c'est justement accepter tous les changements. Tous les changements. Pas seulement des petits changements. Des changements radicaux. Où tu t'aperçois que ce que tu as, c'est du leurre, c'est du vent. C'est pas une réalité, c'est des choses que tu as inventées. Tes croyances, tes envies, tes désirs, ce sont des choses que tu as inventées pour pouvoir te rassurer. Donc aller au-delà de tout ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Passer le cap de ces réconforts qui stagnent dans la monotonie, sortir de là et découvrir ce que la vie propose. Pas ce que tu te proposes, pas ce que tu, la vie que tu te proposes, mais ce que la vie propose. Et la vie propose la rencontre, la spontanéité, la joie. C'est ça qu'elle propose, rien d'autre.